Bonjour, je m'appelle Michele Cirillo, spécialiste des produits de Tecnomed Italia pour la ligne Handy Surgery. Bienvenue dans l'approfondissement de l'Aspirol, notre chariot d'aspiration. Comme vous le voyez, il est lui aussi réalisé entièrement en acier inox. Il est doté de 4 roues pour le déplacement et d'un cordon de branchement aussi bien hydrique qu'électrique qui part du haut de la machine et se relie à l'intérieur du meuble, toujours sur la partie haute. Ceci permet d'éviter que le cordon reste toujours à terre, par conséquent cela évite le frottement, mais surtout empêche que le cordon se salisse de façon excessive. Vous vous demanderez certainement comment il est possible, avec un branchement qui part du haut et qui arrive en haut, d'avoir une bonne évacuation de la cuvette. Je vous invite à suivre notre vidéo jusqu'à la fin pour avoir l'explication. Comme vous le voyez, notre chariot Aspirol est équipé avec 2 canules pour l'aspiration. Ce sont 2 canules chirurgicales, compatibles aussi bien avec des Catani qu'avec d'autres modèles présents sur le marché. Les terminaux Tecnomed sont réalisés en aluminium anodisé. Il se démonte rapidement pour permettre le nettoyage et l'hygiénisation ainsi que la stérilisation en autoclave. Comme nous le voyons, nous pouvons démonter cette partie et avec une légère pression, nous pouvons extraire également le robinet. Maintenant, je le remonte comme ceci. Bien sûr, cela s'applique aussi bien pour la canule de 17 que pour la canule de 11. Comme vous le voyez, les terminaux sont insérés dans 2 supports qui peuvent également être passés en autoclave. On peut les extraire en enlevant les joints toriques qui servent à les maintenir bloqués. Comme je vous le disais, les deux supports peuvent être également stérilisés. Vous pouvez donc les mettre tranquillement en autoclave. Maintenant, je le remonte. Vous pouvez le voir, c'est une opération qui ne prend pas beaucoup de temps. Nous voyons également que les canules convergent toutes les deux dans ce filtre jaune. Celui-ci est amovible. À l'intérieur, on trouve le filtre qui retient d'éventuels débris. Il peut être lavé facilement et on le insère ensuite à l'intérieur. Nous avons délibérément décidé de mettre cette touche pour activer l'aspiration afin de vous donner la possibilité de laisser la canule sur son support. En effet, avec un tuyau en caoutchouc stérilisable, nous allons dans la bouche du patient et en appuyant ici, l'aspiration est activée, ce qui ne serait pas possible si je devais nécessairement tirer sur la canule. La seringue, pas prévue sur l'aspirol, parce qu'il est très rare que votre assistante utilise cet instrument dans le domaine chirurgical. L'actionnement de l'eau, de la cuvette et de l'eau du gobelet advient au moyen de la pression de 2 touches, une pour l'eau et une pour la cuvette, situées sur les extrémités du porte-canule. Donc, en appuyant sur l'un ou l'autre des boutons, j'actionne l'eau dans la cuvette. Lorsque j'appuie sur le bouton du gobelet, automatiquement l'eau est actionnée également dans la cuvette, réglée à l'usine de 3 à 5 minutes. Je peux cependant exclure l'eau dans la cuvette en appuyant sur le bouton de ce côté. Par conséquent, je vais activer ou désactiver aussi bien l'eau de la cuvette, et je le répète, de ce côté-ci, l'eau du gobelet. Aussi bien le bec de la cuvette que celui du gobelet sont réalisés entièrement en acier. Ils sont amovibles pour permettre la stérilisation en autoclave.
per poter essere autoclavati. Il est également possible de démonter la cuvette de cette façon. Cela permet de la mettre dans un thermodésinfecteur. De plus, la cuvette, comme pour les unités dentaires de moyen ou de gamme, peut aussi tourner sur 180 degrés. Ceci permet alors à l'aspirol de s'approcher le plus près possible de la bouche de votre patient pour effectuer le rinçage. En tournant le chariot, nous notons la présence d'un autre filtre. Il s'agit du filtre sécrétion de la cuvette. En dévissant ce filtre, en effet, nous avons accès à l'endroit où s'amassent les résidus d'amalgame ou tout autre résidu issu des interventions effectuées et que notre patient a craché dans la cuvette. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que notre chariot aspirol est aussi doté d'une vanne sous cuvette. Cette vanne, au moment où elle sent le passage de l'eau, actionne le moteur d'aspiration. Notre chariot aspirol a été conçu pour des moteurs à anneaux humides ou moteurs aspirants à anneaux liquides. Ceci parce que l'insertion d'un séparateur est possible en aval. Par conséquent, près du moteur aspirant ou bien situé derrière le meuble. Sur demande spécifique, parce que vous ne trouvez pas l'option, pas même sur notre configurateur, il faudra donc nous appeler, il est possible également d'insérer à l'intérieur de notre chariot votre séparateur. Il est clair que nous aurons un obstacle en plus, c'est-à-dire le tuyau pour l'expulsion de l'eau qui sera logé sur cette zone ici. Par conséquent, nous aurons un tuyau un peu plus bas qui vous permet alors de faire sortir l'eau de la cuvette et l'eau séparée. Il est également possible de le fournir avec un séparateur d'amalgame, mais c'est la même chose, c'est-à-dire que nous aurons toujours ce tuyau sur la partie basse de notre chariot. Vous avez remarqué, sur cette zone, la présence de deux porte-blecs blancs et d'une touche. Eh bien, sur notre configurateur, parmi les différentes options, il est possible d'insérer également le système Sanivac. Le système Sanivac vous permet d'assainir et de désinfecter tout le conduit de l'aspiration. Par conséquent, de vos canules d'aspiration jusqu'au tuyau d'évacuation. Pour ce faire, il suffit d'insérer les canules, puis j'appuie sur cette touche pendant 15 à 20 secondes. À l'intérieur, il y a une cuvette dans laquelle se trouve un mélange de désinfectant qui est aspiré par les canules et donc effectue le lavage de tout le conduit de l'aspiration. En ce qui concerne l'entretien de notre chariot aspirol, il suffit de prendre quelques mesures simples, les mêmes que vous avez l'habitude d'appliquer tous les soirs sur votre unité dentaire standard. Voyons, il est clair que le filtre qui recueille les sécrétions d'aspiration doit être nettoyé tous les soirs. Les joints toriques présents doivent être lubrifiés. Même chose lorsque l'on démonte les deux canules
d'aspiration. Nous devons toujours lubrifier les joints toriques. En ce qui concerne le nettoyage du réservoir de collecte de la vanne sous la cuvette, il faut lubrifier le joint qui se trouve à l'intérieur. De même que pour les joints toriques présents sur le bec de la cuvette et sur le bec du gobelet. Lorsque nous les stérilisons, une fois emballés, et avant de les insérer, les joints toriques doivent être lubrifiés. Je vous le rappelle qu'une des particularités de notre chariot Aspirol est aussi celle de pouvoir être logé à l'intérieur du meuble. Pour ce faire, alors, il sera nécessaire de faire une chose. Il sera nécessaire d'extraire les becs. Ensuite, une fois les becs extraits, il suffit de mettre notre chariot à l'intérieur du meuble. Ceci nous permet de nettoyer notre salle et de pouvoir la destiner à une autre utilisation. Par exemple, si vous équipez votre fauteuil Morpheus avec des jambières, pour le gynécologue, ce ne sera pas du meilleur effet de voir un chariot dentaire et un chariot d'aspiration avec crachoir dans l'espace consacré à la visite gynécologique. Par conséquent, nous avons étudié notre mobilier spécialement pour pouvoir dissimuler les éléments. À l'intérieur du meuble, nous avons positionné l'unité de contrôle de notre moteur aspirant, qui est identique à celle que nous avons vue sur le chariot MyCart. En cas d'utilisation de nos meubles, nous avons dit que l'unité de contrôle est insérée à l'intérieur du meuble où nous allons connecter notre chariot aspirant. Derrière le meuble se trouve la prédisposition pour l'arrivée de l'eau, l'alimentation électrique, l'autorisation de l'aspiration et le tuyau qui arrive du moteur aspirant. Naturellement, vous avez vu le meuble placé à gauche par rapport à votre fauteuil, mais il peut tout à fait être placé derrière. Ou bien nous pouvons, sur la base de vos exigences, étudier la position la meilleure. Comme vous pouvez le voir sur notre livret d'instructions, nous pouvons également proposer la fourniture de toute notre ligne chirurgicale, également sans les meubles. Dans ce cas, nos collaborateurs internes développeront pour vous un projet gratuit et vous conseilleront afin d'équiper au mieux votre salle chirurgicale. Tout ceci afin d'optimiser votre travail et vous permettre d'atteindre la meilleure performance de travail possible. Merci alors en attendant pour votre attention. Au revoir de la part de Michele Cirillo, spécialiste des produits Tecnomed Italia pour la ligne ND Surgery. Je vous attends pour le prochain approfondissement. Merci, ciao.